excuses aujourd'hui? Oh, tu vas t'ouvrir, oui! Si tu te levais plus tôt, t'aurais pas à prendre ton petit-déj dans la rue. Oh, mais c'est mon réveil qui n'a pas sonné! Je te préviens, t'as 3 secondes pour t'ouvrir, sinon... Ok, si tu veux vraiment la jouer comme ça, c'est l'heure de faire appel à... Super Oscar! Non! C'est quoi ça? Hé, hey, mais lâche ma main, mais qu'est-ce que tu me veux? Et vous trouvez ça drôle? Plus ils se cognent, plus ils deviennent nombreux. Et en plus, ils sont collants. Relâchez ces enfants. Mes pouvoirs dans mon bandeau métallique. Il amplifie mon énergie mentale. Ah ouais, c'est trop la classe! Je peux essayer? Non, ce serait trop dangereux pour toi. En plus, j'en ai besoin pour combattre Gigantix. Gigantix? C'est qui ça? Gigantix, c'est moi! Sérieusement? Vous n'avez jamais entendu parler de moi, le futur maître du monde? Non. Tu n'as pas encore gagné, Gigantix. Je serai toujours là pour me dresser sur ta route. Sauf que ton super bandeau est maintenant à moi. Hein? Non, tu n'as pas le droit. Bien joué, mes ploups. En voulant sauver ces enfants sans défense, Miracle Girl est tombée dans notre piège. On ne peut pas abandonner Miracle Girl. Et on ne peut pas laisser ce tas de gelées conquérir le monde. Passez vite, mon grand! Hey, salut, Maurice! Allez! Laisse-moi faire! Regarde ce que j'ai réussi à récupérer! Oh, mais t'es pas un super-héros, Oscar! Et Miracle Girl t'a dit que c'était dangereux! Je vois pas ce qui pourrait m'arriver! Et puis, tu vois une autre option, toi? Si c'était aussi facile d'être un super-héros... Qu'est-ce que tu disais? Non, non, rien. Et comment on va faire pour descendre maintenant que tu as arraché l'ascenseur? Comme ça! Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Super Oscar est là! Ne me fais plus jamais ça, c'est compris! Bon, on se retrouve au bout. Je pars devant en éclaireur. Jeu, passons à la dernière partie de mon plan. Qu'on m'apporte le bandeau. Quoi? Comment ça, c'est pas vous qui l'avez? Mais alors qui l'a? C'est moi. Ah! Mais comment es-tu arrivé là? Peu importe, attrapez-le. Bah alors, vous venez chercher ce bandeau? Ne crie pas victoire trop vite, gamin. Mon armée de bloops est innombrable. Nous sommes légion. Ah, vous voulez vous amuser? Ok, alors on va s'amuser. Libérez-moi!
Merci. Je dois récupérer mon bandeau. Gigantix a l'intention de faire s'écraser la station orbitale internationale sur la Terre. Ton copain n'est pas là? Gigantix l'a aussi capturé? Je sais pas où il est, et c'est lui qui a ton bandeau. Oh, j'espère qu'il ne l'a pas utilisé. Les super-pouvoirs épuisent rapidement l'énergie mentale quand on n'est pas super entraîné. Eh bien, s'il l'a un peu utilisé quand même. Ça suffit maintenant! Comme c'est dommage! Ce bandeau est trop puissant pour toi, Kaba! Tu permets? La dernière partie de mon plan va enfin pouvoir commencer! Salut, Maurice! Salut! Une fois que j'aurai chargé toute la puissance du bandeau sur la station orbitale internationale, je la ferai s'écraser sur la Terre et le monde entier ne pourra que se prosterner devant ma toute-puissance. Quelques secondes, et le bandeau aura chargé toute sa puissance. Allez-y, continuez. Ce ne sont que des chatouilles pour moi. Sans le super bandeau, on est fichu. Miracle Girl n'abandonne jamais. On n'a pas besoin de super pouvoirs pour triompher du mal. Tu as raison, Miracle Girl. On peut être des super-héros sans super pouvoirs. Tu veux des chatouilles? Tu vas en avoir. Bien joué, les enfants. Ça ne change rien. Ton bandeau n'est qu'un gadget. Venez à moi, mes bloops. Vous allez tous goûter à ma véritable puissance. Ce n'est pas en faisant la balle rebondissante que tu vas nous impressionner. Ok, j'ai rien dit. Je vais réduire toute cette pièce en poussière, y compris vous. Il va trop vite. Je n'arrive pas à le cibler avec mes super pouvoirs. Et maintenant, préparez-vous à l'assaut final. On ne devrait plus entendre parler de Gigantix de sitôt. Je suis désolée d'avoir utilisé ton bandeau, Miracle Girl. Je voulais être un super-héros, moi aussi.
Mais vous avez été de vrais héros. Sans vous deux, je n'y serais jamais arrivée. Alors, s'il y a quelque chose que je peux faire... Bah, c'est-à-dire qu'on risque d'être un peu en retard à l'école. Oscar, Malika, vous êtes encore en retard. Ah bon? Mais vous êtes sûr? Hein? Mais pourtant, il m'avait semblé entendre la sonnerie. Bon, elle doit être détraquée. Allez-y. Oh!